Veuillez vous asseoir. The President, please be seated. The trial chamber is now in session. Nous reprenons l'audience. Per our sitting schedule, this morning the trial chamber will continue to hear nous devons poursuivre ce the matin challenges by the l'examen des objections defense présentées counsel par la défense à l'encontre and the responses by the civil party council regarding certain remaining civil party applications. Before we proceed, mais avant de the chamber would like examen, to make an announcement. La Chambre souhaite faire une communication. To the parties, to the proceedings. For our proceedings in the future, concernant la suite after de la procédure, we finish hearing the challenges and responses une fois que nous en aurons terminé avec les objections on de la défense the remaining civil party applications aux constitutions de partie civile. This morning, the chamber will finish to hear the challenges to the civil party applications and the responses thereto. Therefore, the chamber will be asking brief submissions from the parties on whether the civil parties have a right to question the accused and witnesses les parties civiles ont le droit de poser des questions on à the issue et of témoins, the accused character. Cité à comparaître concernant la personnalité de l'accusé. The co-prosecutors will have 10 minutes to make their submissions, the civil parties, a total of 40 minutes, and the defense, 40 minutes. Aura 40 minutes également. After an adjournment for deliberations, après the chamber will inform the parties chambre, of its decision on whether the civil parties will be granted an opportunity to question si the accused and witnesses on ou non la character. De poser des questions à l'accusé et aux témoins concernant la personnalité de l'accusé. Following the decision, the chamber will start questioning après the accused. Au de cette décision, les questions à l'accusé concernant sa personnalité pourront commencer. On separate issues, the sur chamber has point, noticed that la chambre especially yesterday the chamber noticed the request by the hier civil que parties. Il y avait therefore une the chamber would like to issue civiles. A verbal direction for submissions of additional evidence concernant for the civil parties. The trial chamber refers to the oral submission by the civil party council during the morning session ce qui a été dit lors de l'audience du matin, on 26 August 2009 regarding their intention to submit to the chamber evidential material related to the civil party applications and the victims in the case file 001 who have been challenged by the defense counsel. In order for the chamber to have sufficient grounds for its examination and decision referring to the above challenged civil party applications and in order to ensure an expeditious and fair trial, the chamber issues the following direction. Nous avons décidé des dispositions suivantes. One, premièrement, civil parties whose applications have been challenged so submit remise en cause par la défense devront présenter additional evidential materials supplémentaires to the chamber à la chambre
to show the relevancy between the civil parties and the victims in the case file 001. Two, if possible, possible, civil parties shall submit those evidential materials to the trial chamber by the latest Thursday, the 3rd September 2009 at 4:30 p.m. ou plus tard. Let we now proceed with our proceeding and the schedule this morning, that is the challenges of the Defense Council for the remaining civil parties. The co-prosecutor, you may proceed. Monsieur le co-procureur, vous pouvez intervenir, je vous en prie. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Je voudrais demander l'autorisation d'intervenir une minute concernant justement les questions qui seront posées à l'accusé sur sa personnalité. All right, we're ready. Je vous en prie, Monsieur le procureur, je crois que le problème est réglé. Merci. Lundi dernier, le coprocureur adjoint William Smith était venu demander à la Chambre, était venu vous entretenir justement de la période ou du délai dans lequel, durant lequel les coprocureurs pourraient poser des questions à period during which co-prosecutors might ask questions to the accused with regard to personality. À ce jour, nous n'avons pas encore reçu de réponse de la Chambre. We haven't yet received a response from the chamber. Et nous souhaiterions, insister auprès de votre Chambre pour connaître la durée qui nous sera allouée, so that we may be informed of the time that will be allotted to us, particularly so that we may adequately prepare the questions that we intend to ask. I wish to insist on the fact that de poser des questions à l'accusé concernant sa personnalité et sa responsabilité. C'est donc essentiel pour l'accusation, mais sûrement aussi pour les autres parties, ainsi que pour la manifestation de la vérité et une bonne administration de la justice. Alors, nous n'ignorons pas que lundi, deux are not unaware of the fact that on Monday two expert witnesses will be testifying for one day and a half, d'audition de ces témoins seront difficiles à modifier. The dates at which these witnesses will be heard are difficult to change. Si however, we wish to suggest that if it is the case that the questions that are asked probably this afternoon from the accused have not been exhausted by the different parties involved, then that these questions may continue after donc the hearing of the expert pour qu'un on Monday and Tuesday. And thus I ask that enough time be dedicated to the questions that will be asked tant from pour les the accused, pour les autres parties. Both for the co-prosecutors and for the other parties. Thank you. The Chamber, merci, thank you, Mr. Co-Prosecutor, for your reminder. The Chamber would like to remind the International Co-Prosecutor that the Chamber does not forget what was raised by the Co-Prosecutor William Smith, Monsieur Smith for his request on the time allocation in questioning the accused pour les questions posées à l'accusé concernant sa personnalité.
Actually, he requested a time allocation of 1 hour to 1:30 minutes. And yesterday, the chamber took that matter into consideration. And the reason the chamber has not yet responded to the request, because the chamber will have to hear brief submissions by the parties this morning, as whether the civil parties shall have a right to ask the accused on his character. And the chamber has to hear the brief submissions by the civil parties first before the chamber can make a decision on the time allocation for each party to the proceeding, because the time allocation will vary based on the decision after the chamber hears the brief submission of the civil party. And of course, what was requested by the international corporate prosecutor seems reasonable. That is the time allocation between 1 hour to 1 hour and 30 minutes in proportion to the time allocation proportionate for each party. Secondly, the chamber would like to inform the parties to the proceeding that the scheduling to hear the true experts, which was planned for 1.5 day, that is for Monday, and the morning session on Tuesday, has not been changed. Ces dates ne sont pas modifiées. As the time allocation was to respond to the time and date needed by the experts, the true experts. On the questioning of the accused character, which was planned to proceed after we hear the challenges and the responses, and after we hear the brief submissions by the civil parties as whether they have a right to ask questions regarding the accused character, we will start the questioning in the afternoon session today. And if it does not finish, we will postpone it, and after we will hear the testimonies of the two experts on Monday and Tuesday morning session, then we will continue on Tuesday afternoon session. Lundi après-midi, le fil des questions à l'accusé. So this is the information for all parties to the proceeding, especially for the co-prosecutors. Voilà donc pour ce qui concerne les audiences à venir. The President, I hope I have myself clair. Mr. Co-Prosecutor, is it clear enough for you now? Est-ce que ces informations vous suffisent? Parfaitement, Monsieur le Président. Nous attendrons votre décision définitive concernant le temps alloué après les débats de ce matin. Je vous remercie. Until after the discussions of this morning. Thank you. The President, let me now proceed with our schedule. The Defense Counsel, you may now proceed with your challenges to the remaining civil party applications. There are six civil party applications remaining. That is E2/77, who is a civil party in Group 2. Qui appartient au you may now proceed. La défense, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Thank you, Mr. President. Good morning, Mr. President.
C'est le dossier E283 que restait à traiter avant les dossiers, avant les autres dossiers, les cinq autres dossiers qui appartiennent au groupe 1. En fait, le dossier E283 concerne Madame Aung Savat. C'est le groupe 2. Mrs. Aung Savat, group 2. Il n'a pas encore été abordé. Which has not yet qu'il ne soit permis, Monsieur le Président, de dire s'agissant d'un dossier du groupe 2 et donc de notre consoeur Maître Studinski, que du côté de la défense, nous souhaitons un prompt rétablissement à Maître Studinski. Nous désolé de devoir contester des parties civiles en son absence. Sorry that we have to challenge civil parties in her absence. Donc, en ce qui concerne cette partie civile E283, il n'y a rien dans le dossier. There is nothing at all in the case. C'est la raison pour laquelle la défense a contesté cette constitution. Challenged aucun this document application concernant le lien there de parenté. No documents relative to et en kinship ce qui concerne and la présence with regard to the presence à S21 de l'oncle of the de Madame uncle Aung Savat, of Mrs. Aung Savat, la plaignante parle d'une photo. The plaintiff mentions a photograph. Mais la seule photo qu'il y a au dossier est visiblement une photo qui n'a pas été prise à Nous n'avons quasiment rien. Thus, we have practically nothing to work on, objecté. And that is the reason why we raise this objection. Merci, Monsieur. Thank you, Mr. President. The President, Civil Party Council Group 2, you can't respond to this challenge. The Chamber would like to inform the Civil Party Group Lawyer Group 2 that you have not yet responded to the challenges by the Defense Council for Civil Party E2/77 as you were not ready to respond. Therefore, this morning you can respond to both challenges, that is E2/77 and E2/83, as just raised by the Defense Council. And E277 was challenged, and the reasons were given yesterday by the Defense Council. You can proceed. Maître, je vous en prie. Hong Kong Soon, thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. My name is Hong Kong Soon. I am a civil party lawyer for Group 2, and my co-international colleague is Studinski. I am also representing civil party Group 4 with Mr. Chair Olivier Chou. À côté de Maître Sûr. I am now speaking on behalf of my colleague, as my colleague parle au nom de ma consoeur, has de some health concerns. First, in response to the civil party application E2/77 with the name King Sovanari, I was absent yesterday as I spent time to do further research on this client. King Sovanari, E2/77, who is my client, but I did not meet her yesterday. I met an intermediary organization, the Khmer Kampuchea Krom organization, and I met her relative who told me that this client was frail due to old age, and I actually wanted to speak to her in person whether she wishes to waive her right. Her daughter
informed that her mom, her mother, waived her right to be a civil party to this 001 case file. So this is information for the chamber and for the civil parties and the parties to the proceeding. Regarding another civil party, E2/83, and the defense challenged that there is not sufficient document to prove the kinship, and that the photo was not taken at S21, the photo that is available. I would like to also tell the court that yesterday I tried to contact the civil party applicant through the victim unit, and the photo she obtained and filed here was obtained from S21. A été obtenu. However, de S21. Due to time constraints, I am not yet able to temps, retrieve the photo with the number attached from the chief of the Dual Slime Museum. So if with the president leave, I will submit this document in due course when we obtain the information. And I will preserve ces informations put further documents to support the application. Souhaiterais compléter the president, cette demande de constitution du parti civil ultérieurement. Le président, je m'adresse au Conseil de la Défense et vous invite another civil party, especially the five remaining civil parties s'agissant in des cinq dernières parties civiles dans le groupe numéro 1. So there is only one remaining group, group 1. Seul groupe so concerné, à savoir le groupe the defense counsel may proceed with the rest of the five applicants, and that the civil party lawyer group 1 can simultaneously respond to the challenges. Faire une réponse à l'ensemble de ces observations, réponse groupée. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Il s'agit I am now des cinq parties civiles indeed referring to the five following civil parties, E2 barre de fraction slash 49, E2 barre de slash fraction 69, 69, E2 barre de slash fraction 73, 73, E2 barre de slash fraction 74, 74, E2 barre de fraction slash 75, 75. Monsieur le Président, Mr. President, mon confrère Alain Werner, my esteemed colleague Alain Werner, said to us that he wished s'expliquer to sur les provide explanations regarding temps, these five civil lors, parties simultaneously, as long as there, dans ces cinq dossiers. But there is no document in these five cases. Under these conditions, Mr. President, I would like first, therefore, de to Werner, listen to Alain Werner's explanations, and he told me that they would be of a general nature, and then de I would like to address these observations après. Afterwards. Je vous remercie. Thank you. The President, Mr. Alain Werner, you now may proceed. Je vous en prie.
Bonjour. Alain Verdun. Monsieur le Président. Hello, good morning, Mr. President. Good morning, Your Honours. D'abord, avant de commencer, Let me remercier please, before I start, défense, thank the defense, nous sommes, because d'accord avec elle. Nous lui avons demandé hier si c'était possible pour agreed elle with the defense yesterday, de and we asked the defense if it would be possible for it not to follow a chronological fin, order. À la fin, And therefore to group our five cases at the end so that we may in one go adresser votre chambre sur ces cinq dossiers et la express our observations on these five cases before the chamber, and the defense agreed to this, and we are thankful. Let me speak to you about one specific case, and then I will refer to the four others later. E2/49. Monsieur Eng Sita, so this is Mr. Eng Sita. Civile, this civil party told us yesterday that it was no longer interested in taking part in these proceedings. En conséquence, and therefore, selon l'article 23, according 10, to Article 23, qui stipule qu'une partie civile peut 10, à tout moment that stipulates that a party, civil renoncer party can at any moment waive its désister de son action, request for reparations or step out, informons la chambre we would like cette to inform the chamber that this civil party E2/49 is de son action, indeed waiving its claim and is no longer a civil party. Donc, cela so this 49. Is for E2/49. Alors, laissez-moi vous adresser effectivement les quatre suivantes, E2/69, E2/73, E2/74, E2/75. Comme Maître Roux vous l'a dit, Council Roux said tout à fait correct, to us in a perfectly appropriate way, la situation est la suivante. The situation is the following. Nous n'avions pas did not have en janvier, en février, in lorsque nous sommes entrés January dans ce and in lorsque February nous avons, when we started with these civil parties and when we came to the initial hearing, we did not have any evidence, any biographies or any confessions, their names do not appear on the prisoner's list. That is so. And a decision on principle was taken by my group back then, which was to maintain the civil party applications. Et nous étions and we were ready in February to explain why the reason why our stance was such and why we would like to retain the civil applications despite the fact that there are no biographies, that they're not on the prisoners' lists, and that there are no confessions. So the question was not put to us in February, and I'd like to explain to you briefly regarding these four civil parties. Well, I'd like to tell you what is our stance, on what legal base our stance is based. Position étant donné que given that nous n'obtiendrons pas we will not obtain de nouvelles preuves, extra on evidence, pas, they do not, nous les obtiendrons it does not pas, exist, so therefore pas. The situation will not change. Je vous this is why sur ces, I sur ces quatre would like dossiers. To bring up these four cases now. So our position is the following. Notre position est our que stance is that si votre chambre if your chamber considère, believes, au vu de la constitution de partie civile, des informations qui sont données par la partie civile, les quatre parties civiles, dans leur constitution de partie civile. Si votre chambre considère que ces éléments, ces informations sont cohérents is coherent, et sont suffisamment détaillés, and are sufficiently notre detailed, position juridique est que, en soi, our stance is cela that in itself, doit this should constituer la preuve nécessaire et la preuve suffisante au sens de l'article 23, paragraphe 5 du règlement intérieur, 23, paragraphe au sens 5, de l'article 3.5, lettre D de la directive pratique of the practice sur la participation des victimes, on, parce que rien dans ces deux articles, victims, ni nothing dans in le règlement articles, intérieur, in ni rules, dans la directive nor pratique in the practice directions, sur la participation des victimes regarding n'impose de façon automatique à une partie civile de that une a civil party has to provide a material, écrite, a material evidence, written evidence, de to sa constitution support de its civil, civil rien, application. Rien there is nothing, nothing, nothing in both of these articles that states si this. And if you look at Article 23, paragraph 5,
Il vous le dit, je me permets de le lire. Toute constitution de parti civil doit contenir des informations suffisantes must contain sufficient pour mettre la vérification de sa conformité au présent règlement. En particulier, elle doit contenir des précisions utiles current, sur la situation rules, de la victime, and must provide useful information on the victim's situation, et inclure le cas échéant. Tout élément de nature à établir l'existence du préjudice subi ou la culpabilité des auteurs présumés, le cas échéant. Rien ne nous impose automatiquement d'apporter une preuve. Alors, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, la jurisprudence internationale, vous comprenez, en cette matière, matière de la participation des victimes, la jurisprudence internationale est pour le moins limitée, puisque cette participation ne fait que démarrer devant les instances internationales. Mais nous soutenons qu'il y a une tendance très claire qui se dessine, et notamment par la jurisprudence de la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale. Cette tendance and this tendency va dans le sens d'admettre in the direction of pour les victimes d'admettre une preuve indirecte en support to support de leur dossier de leurs allégations contenues dans les constitutions parties civiles. Si, je cite la décision, je vous donne la référence dans une minute, la victime, la personne qui postule, peut apporter la preuve qu'elle a été empêchée par des obstacles objectifs, d'apporter la preuve directe, une pièce qui viendrait corroborer ses dires. Et la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale continue et nous dit qu'elle décidera au cas par cas, basée sur le mérite de la cohérence intrinsèque de la déclaration de la victime et toute autre information disponible. La cohérence intrinsèque de la déclaration de la victime. Et je me suis référé à la décision de la Chambre préliminaire. The decision of the 18th of August 2017 Alors, so, j'aimerais vous dire une chose. I would like to tell you one thing here. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Président, nous sommes dans un domaine, honors, le droit pénal international, in international où est mon confrère, where, le sait évidemment puisqu'il a eu la chance de pratiquer devant ses juridictions, le tribunal pénal pour le Rwanda, the depuis 10 ans, ou 11 ans même, depuis la jurisprudence à Kayesu, since rendu le 2 septembre 1998, nous sommes dans un domaine où un critère juridique accepté depuis 11 ans, peut être condamné says that states par that un tribunal pénal international, sur la base d'un seul témoignage, qui n'est pas corroboré. Which is not necessarily c'est ce que la jurisprudence à Kayesu dit, et c'est ce qui a été confirmé depuis par la jurisprudence. Sur la base d'un témoignage, alors évidemment later. Ce témoignage doit and être crédible, this statement il must doit être be relevant, and must be relevant obviously. Mais l'argument but c'est que the argument vous pouvez condamner quelqu'un en droit pénal international sur la base d'un témoignage, sans autre pièce, sans autre témoignage corroborant, sans rien d'autre. Si cela est vrai, alors il ne peut pas être possible d'exiger comme critère automatique qu'une partie civile, en plus de ce qu'elle vous dit, en plus de son témoignage, pourrait être constituée partie civile, doit automatiquement apporter la preuve par une biographie, par une confession, ou par son nom sur la liste. Cela ne peut pas être possible. We cannot ne peut pas être la règle automatique. This cannot be an automatic rule. Alors, so,
si vous acceptez notre soumission, si vous acceptez les critères que nous vous proposons, basés encore une fois sur la cohérence the des informations you, say, the que nos quatre parties civiles vous ont données, cela, et c'est un point très important pour nous, cela ne créera aucun préjudice à l'accusé, aucun préjudice à l'accusé, pour deux raisons. La première, c'est que notre quatre, nos quatre parties civiles n'apportent aucun élément à charge, contrairement à d'autres parties civiles qui sont venues devant vous, ces quatre parties civiles n'apportent aucun élément à charge contre l'accusé. Numéro 2. Merci, Madame la juge. Pardon. Numéro 2. L'accusé, et c'est très important, and this is very important, ne sera the accused devant cette juridiction, de toute façon, pas tenu à verser des compensations monétaires individuelles. Il n'y aura aucune répercussion négative pour l'accusé. Comme les quatre parties civiles soient admises comme parties civiles ou pas, cela ne changera rien pour l'accusé, car il ne sera de toute façon pas tenu au terme de ce procès à payer de l'argent aux parties civiles. Et cela doit, à notre avis, nécessairement avoir une influence sur le critère on que vous allez the criteria fixer. That you're going to set. So, Maître Roux, avec son talent habituel, vous a dit hier, said to you yesterday, en filigrane ou même de façon directe, que direct way, I could say, dans votre décision, vous devez penser you must consider, au cas numéro 2 ou à d'autres cas, ou à d'autres cas devant d'autres tribunaux, parce que vous serez probablement les premiers et cetera, à réfléchir sur cette question. Il a développé cet argument et j'aimerais, parce que c'est très important pour nous, juste vous dire un mot. Like si vous allez au-delà de ce qui est exigé par la lettre du règlement intérieur ou la lettre de la directive pratique sur la participation des victimes, si vous venez et vous dites nous exigeons comme critère automatique des pièces à l'appui des déclarations de constitution des parties civiles, alors, d'après ce que je comprends, et vous savez, nous ne sommes pas constitués, mon groupe, dans le dossier numéro 2, you know, d'après ce que je comprends, la quasi-totalité des constitutions de parties civiles dans le cas numéro 2 devront alors être déclarées irrecevables, parce qu'il n'existe quasi aucune preuve, notamment dans les centres de détention in particular in the detention centers within Cambodia. There is no confession, there is no physical evidence, there is no prisoners list. And it is, that is the consequence. That is the consequence of such a decision as you're bringing up now. Et puis, il y a autre chose. And there is something else. Nous rejetons avec force, we strongly reject, avec tout le respect que nous avons pour, of our respect, of course, pour notre confrère Maître Roux, mais nous rejetons avec force l'argument de l'épouvantail. L'argument qui consiste à dire, ou à l'avenir, si vous décidez qu'à effectivement, il n'y a pas besoin de pièces, alors il y aura des flots de constitutions de parties civiles qui vont submerger et noyer vos juridictions. Monsieur le Président, Madame la juge, l'accusé bénéficie de la présomption d'innocence. Et bien sûr, nous devons vous expliquer les raisons pour lesquelles nous pensons que nos parties civiles sont constituées. Mais nos parties civiles doivent bénéficier d'une présomption de bonne foi. Et si ce procès a démontré une chose d'après nous, c'est qu'il n'y a pas eu d'imposteur. Il n'y a pas eu de profiteur sur le banc des clients des parties civiles. Among our civil parties. Nos clients our tous clients agi have all de bonne foi. Acted in complete nos clients good ne demandent pas d'argent. Our clients nous are not asking for money. And we're asking that our clients can benefit from this presumption of good faith. Alors, et j'ai presque fini, and I'm almost finished. Vous vous rappelez, je vous ai cité la jurisprudence de la Cour pénale internationale avec cette idée de preuve indirecte suffisante. Si une partie civile peut démontrer qu'elle a été empêchée par des obstacles objectifs d'apporter cette preuve, that it was objectively hindered in providing this evidence, la preuve commis quatre parties civiles evidence de bonne foi civil parties can provide to you to demonstrate their good faith
La preuve que mes quatre parties civiles de bonne foi sont empêchées par des obstacles objectifs de fournir une preuve directe, une biographie, une confession, le nom sur la liste de prisonniers. Cette preuve, c'est la destruction et la disparition d'une partie des archives de S21. Et maître Truss, hier, vous l'a plaidé, elle vous a dit ce que David Chandler est venu dire à cette cour, et je ne vais pas le répéter. And she mentioned le co-procureur international l'a plaidé également, course, and mais j'aimerais juste, et j'en aurais fini après cela, parce que je pense que c'est une histoire qui illustre bien mieux que simplement se référer à un expert ou se référer à d'autres témoignages. J'aimerais vous lire juste quelques lignes de quelque chose qui se trouve dans le dossier. C'est le livre de Nick Dunlop. Et ce livre, malheureusement, n'a pas été traduit en français ni en khmer, mais il se trouve dans le dossier. But it is in the case file. Et la cote en anglais, ERN 0078-697-0078-699. Il y a juste les deux premières pages. There are only the two first pages. Here, qui sont cités. Je peux vous donner aussi les cotes en français et en khmer, mais ça ne correspondait à rien parce que la traduction n'a pas été faite. J'aimerais vous lire une page sur la destruction de ces archives, qui est à mon avis la meilleure chose regarding qu'on puisse dire of these archives, pour vous faire comprendre réellement la situation. Je vais le lire en anglais. Si c'est possible pour les interprètes de simplement me suivre en anglais, parce qu'encore une fois, ça n'existe qu'en anglais. Because the text is only in English. David, Nick Dunlop parle d'un caractère qui s'appelle Ho. Speaking about somebody called Crow, and he says the following. Found a room near Tul Tum Pong Market une chambre with his wife and daughter. And he began to look for work. Il a commencé à chercher du travail. At the market one morning, au marché, he saw women selling fried bananas. Il a vu des femmes qui vendaient des bananes frites. Emballés dans du papier, avec des écritures qui se trouvaient no sur ce papier. Il n'y avait pas eu de papier pendant la période Khmer Rouge. Maintenant, dans ces rues à moitié abandonnées, ces papiers étaient partout. Ces papiers allaient ici et là auprès du vent et dans les rues. Les enfants avaient commencé à les rassembler. Il recognized the handwriting. It was the confession. Petit paquet de bananes, il reconnut l'écriture. Il s'agissait là des aveux d'un ami qu'il avait à Paris. Lorsqu'il a demandé, where he had come from a little boy, the little boy était venu led him down the back street to slang. Eh bien, le petit garçon l'a emmené he saw the weather à travers wire les along rues the à l'arrière du pâté de maison Vietnamese soldiers et l'a emmené à Tul Slang. And said, il a vu I didn't dare to go inside. Le fil de fer barbelé acéré le long des murs et des soldats vietnamiens à l'entrée. Il n'a pas osé entrer à l'intérieur, m'a-t-il dit. C'est pas, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Président, c'est pas pour être comique, réellement. Hein. C'est pas pour être comique, mais une partie des confessions ou des biographies a servi à emballer des bananes frites sur les marchés de Phnom Penh dans les années 80. C'est la situation. Donc j'en ai terminé pour mes cinq parties civiles. Oui, nous n'avons pas, nous ne pouvons pas, pour 10% de nos parties civiles, 4 ou 5 sur 38, nous ne pouvons pas venir, malgré nos meilleurs efforts, nous ne pouvons pas venir et vous apporter la preuve. Mais nous pensons que, de bonne foi, ce que nous disons, ce que vous disent nos clients a du sens et nous pensons que ce qu'ils vous disent doit, vu les circonstances, constituer la preuve suffisante et encore une fois, ce n'est pas pour être comique, mais s'il se trouve, la biographie ou la confession d'un de nos quatre clients a servi aussi à emballer des bananes frites ou d'autres nourritures sur le marché de Tul Tum Pong à Phnom Penh dans les années 80. C'est la situation et c'est notre soumission. Merci de m'avoir laissé le temps pour m'exprimer. The President, the Defense Council, you je m'adresse au Conseil de la Défense. Vous pouvez à présent répondre à votre contradicteur de la partie civile. Je vous remercie, Mr. Monsieur le Thank you, Président. Mr. President.
tout le monde aura compris everyone que nous sommes probably dans un has understood that we're now entering a real debate qui est posé à cette chambre depuis which has been presented depuis le début to this chamber since the start in fact depuis que de ce côté là de la barre from this side nous attirons of respectueusement l'attention bar, de we're la chambre trying to respectfully draw the chamber's attention sur to ce que what être might be et sur ce que doit and what être must be le rôle the role des parties civiles. Of the civil parties. J'ai and, entendu I heard une fois encore once again beaucoup de confusion, a lot of confusion dans l'exposé qui vient d'être fait what was just presented sur to le us rôle regarding des the parties role of the civil parties. Je voudrais and I que l'on would like soit clair us to be clear et que l'on and, rassure and I'd like us ici to reassure everyone les personnes here and to reassure qui ne pourront the people pas who will not civiles be able to join as civil parties. Elles sont représentées dans cette enceinte here par le bureau des coprocureurs the co-prosecutor's office, dont nous pouvons penser and from which we may believe qu'il assurera that dans les meilleures conditions will manage in the best conditions possible their la application their representation, des intérêts the representation de la société of the interests of society at large. Donc que les parties civiles qui ne pourront pas pour des raisons juridiques will not be able for legal reasons, parce que nous faisons ici du droit because we are here in a court of law, que les parties civiles qui so ne pourront pas pour des raisons will juridiques not be able for legal reasons être individuellement représentées à cette audience se rassurent. Well, they should rest assured elles seront they moralement be represented par le bureau by the co-prosecutor's office. Une fois encore, once again, qu'est-ce que c'est qu'une partie civile civil dans un procès de civil law? In a civil law trial, c'est une personne person qui peut justifier de sa qualité à agir. Prove its ability c'est-à-dire to act, que c'est un that is to say, quelqu'un it is qui a personnellement vécu personally has endured or experienced un dommage harm, ou bien quelqu'un qui est familialement très proche very close to, d'une autre personne from another person qui a vécu un dommage who experienced harm, donc un parent so pour son enfant say, a parent un enfant for a child, pour son parent or a child for her parent. Donc, so, quelqu'un qui a qualité à agir has the capacity to act, et quelqu'un qui est bien fondé à agir, c'est-à-dire qui peut justifier to act, de son préjudice. Somebody who can justify the harm endured. Nous sommes, and Monsieur le Président, we are, Mr. Madame, President, Monsieur, your honors, dans une enceinte de justice. Here in a court of law. Nous ne we sommes pas sur la place du marché. At the market, nous ne sommes we pas are not sur la place du marché où l'on peut jeter des pierres where, à un accusé. Where we can throw stones to the accused. Et j'ai entendu and I heard, même de loin even from far, lorsque j'étais à La Haye la when semaine I was dernière in the Hague last week, dans cette audience I heard des mots words that qui were pronounced étaient comme here des pierres in these proceedings which were like stones that were thrown to the accused. Et j'ai souffert face, and I suffered from that. Parce que je because souhaite que nous restions dans like le cadre d'un procès digne remain within the context of a dignified et que trial chacun and reste that à everyone sa place. Stay in his right place. Qu'attendons-nous what des parties civiles are we expecting from the civil parties? Qu'elles nous disent deux choses. We're expecting that they say two things to us. Une fois qu'elles sont autorisées à once intervenir par la loi, they will be entitled qu'elles nous disent to do so deux choses, by pas law. Trois, two things, deux not choses. Three, two things only. Voilà quelle this, est ma souffrance personnelle. This is my personal suffering, one. Et voilà and quelle two, est la mémoire this is the memory de la personne pour qui je souffre. Of the person et je viens for whom vous parler de la personne and pour I'm qui je souffre. To you about et the person ça s'arrête who is là. Suffering. And it stops there. Le problème est the que depuis le début, the very start, les parties civiles veulent déborder ce rôle. Want to go beyond their role.
Souvenez-vous, dès la première audience, as of the very first hearing, mon confrère Maître Kahn, esteemed colleague, Maître Kahn, venant dire who was les parties civiles n'existent pas dans ma tradition, je découvre cela et ça me plaît now, et je vais réclamer des peines contre l'accusé et je vais faire venir témoigner un expert pour réclamer des peines contre l'accusé. Confusion. This is total confusion. Je me suis levé. I stood up. Je me suis élevé contre cela. And I stood up against this. Et je l'ai redit hier. And I said it again yesterday. Ce que nous faisons ici est une œuvre extrêmement importante. Extremely important parce que nous endeavor défrichons un domaine we are nouveau. Opening up a completely new ground. Et nous n'avons and pas droit à l'approximation. Allowed to be approximate only about this. Alors mon confrère, so, my esteemed colleague, très bien. Fine. Vous citez fine la Cour pénale internationale. You mention the ICC. Vous oubliez seulement but you only forget, que devant la Cour pénale internationale, ICC, les victimes, the justement, ne sont pas parties civiles. Civil parties. They are not civil parties. Et j'ai considéré, and pour I ma part, considered qu'ici, as far as I'm concerned, ici, that here, nous faisons un pas supplémentaire. Un progrès, parce que ici, les victimes ne sont pas seulement entendues comme devant la Cour pénale internationale, elles sont parties civiles avec tous les droits attachés à des parties civiles. C'est un progrès considérable. Mais nous savons tous parce que nous sommes juristes, all aware que quand we are on a des droits, jurists, on a aussi when des devoirs. One has rights, one also has et le premier duties devoir d'une partie civile, duty of a civil c'est de respecter les règles to respect qui vont lui permettre rules, ou non will d'être partie civile. The civil party to et be son deuxième devoir, c'est de respecter le rôle d'une partie civile dans un procès, c'est-à-dire notamment de ne pas intervenir words, sur la question de la peine qui relève de l'ordre public, qui relève du procureur. Which, belongs, to, the prosecutor. Autre confusion. Vous parlez de la and jurisprudence Akayesu. Total, confusion, oui, you speak je of connais the Akayesu un petit peu, effectivement, pour avoir passé des heures et des I'm heures au banc de la I've défense devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Mais vous oubliez une chose. At the International Criminal Tribunal for Rwanda. Quand le tribunal présidé par le regretté Laïti Kama, grand président s'il en fut, quand le tribunal a rendu cette décision sur laquelle, pour ma part, j'émets des réserves sur ce point, c'était après avoir entendu le témoin en examination, cross-examination, puisque nous sommes là-bas dans une procédure typiquement common law. Ça n'est pas du tout le cas des personnes dont vous me parlez ici. Ces parties civiles que vous citez ne sont pas venues, elles n'ont pas pu être entendues, elles n'ont pas pu être contredites éventuellement. Vous n'êtes pas du tout dans le cas Akayesu. So you're not at all et in puis the si Akayesu vous allez au bout de la jurisprudence Akayesu de grâce, parler des contestations qu'il y a eu contre ce passage de la décision et rappeler que le tribunal a pris le soin de dire que c'était exceptionnel. C'est quand il n'y a pas d'autre solution. Mais le principe en droit pénal international, vous le savez aussi bien que moi, le principe, c'est le principe de la corroboration. Exceptionnellement. Dans certains cas particuliers, a dit le tribunal, parce que le témoin a été interrogé et contre-interrogé, exceptionnellement, nous pouvons accepter un témoignage non corroboré. Alors, oui. Now,
Oui. Yes. Dans des tragédies comme celles dont nous parlons, faced with a tragedy je suis bien d'accord such as the one we are dealing with here. Maître Werner. I agree with you. Les partis civils doivent bénéficier the civil a priori parties must de la présomption priori, de bonne foi. Be presumed mais on peut to be aussi se tromper speaking de bonne foi. In good faith. But one can also be mistaken in good faith. One can be mistaken. Nous avons entendu à cette barre des gens qui se sont trompés. Persons who were mistaken, ont cru who thought de bonne foi in good faith, avoir été incarcérés dans un lieu that they had alors qu'elles étaient dans un autre lieu. In one location, vous le savez. Whereas they had been incarcerated in another. And you know this very well. Donc, vous avez voulu conclure avec le livre de Nick Dunlop. Made an attempt at concluding by reading jour, from the book of Nick Dunlop. But c'était le bureau day, des coprocureurs qui croyaient the devoir the utiliser comme moyen de preuve that it could rely, ce film exceptionnel de Ricky Pan. Exceptional film of Ricky ce sont là des œuvres. Evidence. But, un livre, un film, ce sont des œuvres. Et pour ce qui est du film de Ricky Pan, extrêmement respectable, it is tant que c'est une œuvre respectable, supérieure, dirons-nous. In that it is of superior supérieure. Quality. Je n'en connais pas d'autres de cette qualité. I know of pour no autant, other film of that quality. Je pense Nevertheless, que les personnes qui écrivent ces livres ou qui réalisent ces œuvres n'ont jamais imaginé que l'on s'en servirait dans un processus judiciaire. Nous sommes dans un processus judiciaire. Il y a eu une instruction. Il y a des règles de droit. Je le dis et je le redis. Duralex, Sedlex. Nous sommes des juristes. Et un éminent professeur de droit disait cette sentence que nous ne devons jamais oublier. Stated, ennemi juré de l'arbitraire, never forget. La forme, c'est-à-dire la procédure, sworn enemy est la sœur of arbitrary de la liberté. Procedure form, structure, nous ne sommes pas là pour faire de l'arbitraire, nous sommes là pour faire du droit. Je demande à la Chambre fashion, we are here. D'appliquer the les règles de droit relatives aux constitutions de partis civils, with mais une fois to encore, civil party applications, de dire haut et clair, again, y compris au public to state qui est là, loud and clear also qu'ils sont fondamentalement here, représentés ici par le bureau du procureur, qui va représenter cette société qui a été bouleversée, dont le lien social a été, nous upended, le savons, violé social, par la période du contexte démocratique. C'est ça, as we know, le rôle et le devoir du procureur. Ne le lui enlevez pas. That is the role and the duty of the Je prosecutor. Vous remercie. Do not remove that from his office. Thank you. President, Mr. Alain Werner, you can proceed. The Chamber would like to remind the parties to the proceeding. The main point of the proceedings at the moment is le point essentiel whether the civil party applications de savoir si les constitutions de partis civils are acceptable and have all the criterion as set out, plus the relevant information. And for the general reasons or other reasons which are going to prolong the proceedings, so be reserved. And that can be used during the final submission, the oral final submission, which would be the appropriate time. Alain Werner, you can proceed, but please donc, adhere to the main point of the proceedings at this stage. And do not just wander into the general observations or general points. Trop général.
Because the general points have been discussed already, but now we are dealing with specific applications on the lack of the conditions before the civil parties can be accepted and as they are challenged by the defense counsel. Raison pour laquelle la défense y objecte aujourd'hui. Oui, Monsieur le Président, merci. J'ai tout à fait compris ce Thank que vous dites. You, Mr. President. I have fully understood. Laissez-moi juste deux points vraiment très rapides. I have two very short points. I'll bien be very sûr que quick. Nous comprenons of course we understand la différence the difference entre between ce qu'il se passe ici et ce qui se passe à l'AE, à la Copenhague International. Bien sûr que nous comprenons. C'est la raison peut-être que je me suis mal exprimé, mais que j'essayais de parler de tendance. To the fact that et mon confrère vous parle, vous a répété plusieurs fois du RADLEX, SEDLEX, et vous a parlé au début de cette intervention aux critères droit national. Et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. La raison pour laquelle nous parlons des tendances devant la Cour pénale internationale, la raison pour laquelle nous vous soumettons ce que nous vous soumettons aujourd'hui, c'est qu'il y a des différences intrinsèques et fondamentales entre une situation en droit français, en droit belge, en droit suisse, ou que ce soit où il y a des parties civiles, you have où un crime s'est commis il y a une année ou plus, peut-être il y a six mois ou il y a deux ans, committed, dans un pays où, évidemment, il est facile d'obtenir des pièces ago, si besoin est. Where it is et notre domaine, material, le droit pénal international, required, où les choses se sont passées en temps de guerre, il y a certaines fois des années et des années. Et ce qui nous semble intéressant dans les tendances qui se dessinent de la jurisprudence de la Cour pénale internationale, c'est que même si la Cour pénale internationale n'est saisi que de situations qui se sont passées il y a relativement peu de temps de par son statut, et bien même avec ses spécificités, ce qui se dégage comme tendance, comme principe général, c'est, et je vous l'ai dit, d'accepter une preuve indirecte. Et cela nous semblait intéressant parce qu'ici, nous sommes dans une situation comme devant la Cour pénale internationale. Et à l'inverse, les juridictions internes, nous sommes dans une situation où le conflit ne s'est pas produit après 1998, mais en 1975-79. C'est pour cela que je parle de ces tendances-là qui, à notre avis, encore une fois, de bonne foi, soutiennent notre argument. Juste encore un mot, mon confrère a l'air fixé parce que chaque fois qu'il s'exprime, il revient sur cette question. Effectivement, notre position, qui est une autre position, qui est une position que nos partis civils doivent être à même de pouvoir plaider sur la peine, c'est une position qui est complètement différente. Comme vous le savez, cette question est devant vous. Nous avons plaidé par écrit. Cette question est devant vous. Vous le déciderez très bientôt. Et cela n'a rien à voir. C'est une question qui est tout à fait séparée. Et j'ai essayé de centrer mon intervention sur cette question de qu'est-ce que vous avez besoin pour dire que oui, cette personne est partie civile et peut jouir de ses droits. Dernier point, j'en ai fini. Mon confrère a l'air d'aimer le latin, ce qui est tout à son honneur. Et dura ad lex, tant dans le règlement intérieur que dans la directive pratique, c'est dura ad lex, rien dans le règlement intérieur, rien dans la directive pratique nous dit que automatiquement nos quatre parties civiles doivent venir et vous fournir une biographie ou une confession. Rien. Donc si dura lex ad lex, basé sur le règlement intérieur et basé sur cette directive, alors vous devez, si vous pensez que, effectivement, lorsqu'ils vous disent dans leur application a du sens, vous devez accepter ces parties. If they tell you something that is sensible in their applications, then you must admit or accept these applications. Thank you. This, Mr. President, I would like to seek your leave to add to what my colleague has just said in relation to the legality and the right of the civil party.
concernant les droits des parties civiles en so espèce. That the Defense Council and the Chamber as a whole can understand de sorte que la Chambre the legal right of the civil party to make their application. The Chamber, yes, you are granted, but please limit yourself to the conditions and the criteria of the civil party application. And also you should respond to the challenge raised by the Defense Council. You are not allowed to make your comments or observation at this stage. The Chamber reserves the right to stop you and without giving you any extra opportunity if when you speak, you speak in general terms. If the Chamber noticed that from the beginning, then you will be interrupted and you will not be granted an opportunity again. The yesterday practice was should be adhered to today as well. Tisrina, thank you, Mr. President, for your guidance, and I will try to only raise the relevant evidence and fact. M'en tenir aux faits et arguments pertinents. First of all, to my respects to your honors and ladies and gentlemen in the chamber. In response Mr. François Roux, the Defense Council, I would like to raise the issue of the legal right of the civil party. The Defense Council raised it should be done through the co-prosecutors as the civil parties are in support of the prosecution. I would like to say that this is a mixed tribunal. Mais je voudrais rappeler ici que nous sommes dans un tribunal hybride. It means it's hybride, a hybrid of national and international court. An agreement was made between the United Nations and the Cambodian government in Article 12. The Cambodian laws are applicable in this chamber. And when I look at the Cambodian law stipulating the right of the civil party participation in making the application to this chamber, in the Code of Criminal Procedure of the Kingdom of Cambodia, pénal. It stipulates clearly in Article 13 relating to the civil action. Civil action, action and damages que les demandes de réparation shall be responded by it and shall be actioned by the victims. And who are the victims? Of course, we have some direct victims here, for example, Chung Mei and Bu Meng. Those are the direct victims of Accident 1, and some also provided testimony before this chamber in the previous hearings. So that is the right of the civil party participation in making their civil action and civil claims in response to the damages caused to them. François Roux also said the civil action shall be connected to the direct kinship, for instance, between father and son. But in Article 16 of the Code of Criminal Procedure, it states that the successor of the in the case of the death of the victim, a civil action can be started or continued by his successor. And the successor here refers to the natural persons who are related legally in relation to the kinship, for instance, the direct bloodline relatives, father, mother, children, brothers, sisters, siblings, cousins. It means who are the blood related
relatives to the victims. Dans ce cas, il s'agit so those civil parties who lodge their applications in my groups, they are related in some way to the facts d'une manière ou d'une autre, se faisant and crimes alleged on the accused. So they are entitled by law to make such application. Par la loi à se constituer partie civile. Le président interrompt. The challenge is regarding is it regarding the right of the civil party to participate or is it related to the lack of documents to prove the kinship of the civil party applicants or the lack of documents to prove that they were the or they are the direct victims of accident and that are the core point of the current proceeding. C'est là, je crois, le cœur du débat maintenant. So your response et votre réponse doit donc porter sur these challenges. Ces objections soulevées par la défense. You have to consider, are they challenging the application as a civil party participation, or are they challenging the lack of documents sur la partie civile, ou d'une objection fondée sur related de to the applicant or the victim of S21 office ou concernant la personne décédée à S21. So the chamber would like you to remind to only focus on the points raised by the defense counsel. And this is particularly related to the E2/49 or E2/69 or E2/74, what is available and what is not, and E2/75 or E2/73. And you are not allowed to make your general observation, as I reminded you from the beginning, comme je vous l'indiquais avant votre intervention. Do you understand? The chamber will allow you to proceed, otherwise you will not be allowed to proceed. You can reserve. All these comments to be made at the final oral submission. Mr. President, yes, I understand your guidance. What I have said is in response to the challenge by the defense counsel, the chamber. Are you talking on the points raised by the defense counsel? If not, you have to be seated. Oui ou non, sinon je ne vous laisse pas poursuivre. Maître Tisrina. In relation to my client, I would like the President to consider the current situation experienced by my client. Leur situation particulière. And the points I raised is also in response to what has been said by the Defense Counsel in his challenge to the civil party applications in my group. And I based my comment on the existing law of the Kingdom of Cambodia. Thank you, Mr. President. Sur le droit applicable au Royaume du Cambodge. The President, Karsavut, you may proceed. And you are reminded only to express your observation on the challenges of the legality or the qualification of the civil party application or any related evidence to support that civil party application, and you are not allowed to make your observation or submission in the middle of this proceeding. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honours. Good morning, ladies and gentlemen. As I have stated in my previous observation yesterday, comme je l'ai dit dans mes observations, the Defense Council only la défense wishes the civil party to verify souhaite simplement que les parties civiles in their documents, in their applications,
the qualification as a civil party. For instance, whether they are the husband or the wife or the son or the daughter or the brother or sister, and there are supported documents to prove that. That is the first criterion that the defense counsel wants. You show that document, then we will accept it. So that is the first criterion. And the second criterion is the evidence. The evidence that the defense counsel wants is whether the civil party applicant actually has a relative who suffered or victimized at S21. If it is clearly shown so, then we will accept all those civil party applications. For instance, this can be proved by a photo with the number from S21 office. And if you don't, and you only show us a photograph from 73 or 72, how can the defense counsel accept that? We cannot accept it. And if you cannot find a photograph, then a confession would be sufficient. And if there is no confession, then the list of the prisoners. And there are two lists. One was prepared by the office of the co-prosecutors. And then for the second list, you can go to have a look at the list of the S21 at the Genocidal Museum. All the lists are maintained there. And then you just photocopy the relevant page with the name. Then the defense counsel would happily accept it. Parent de votre parti civil, nous pourrons alors accepter cette constitution de parti civil. And if you cannot have all these documents, then you have a biography. If you have a biography, then we will accept it as well, a biography from S21. Or if the biography was used to wrap the fried banana, then probably try to find anything else, like a photograph from S21. Envelopper des bananes frites. Thank you. Chose, peu importe. The chamber, the president. Le président. Let me now stop. Je vous remercie. Je souhaite the discussion and the adversarial hearing on this civil party application. The international co-prosecutor, do you have anything to add? Je vous remercie, Monsieur le Président. Très brièvement, je voudrais me référer aux observations générales que nous avons émises hier concernant la souplesse qu'il nous semble que vous devrez utiliser en considérant les éléments qui sont produits par les partis civils à l'appui de leur constitution. Il y a cependant une chose qui me dérange dans le débat qui vient d'avoir lieu, plus précisément deux. D'abord, le fait que la défense revienne sur le rôle des partis civils, il me semble qu'on aura un débat là-dessus dans quelques minutes. Et il ne nous est pas apparemment permis d'y répondre tout de suite. The President, the Chamber now will not allow any adversarial hearing or discussion on this matter, on the challenges and the responses. I just said that. Je viens de clore le débat. The President, the Chamber would love to move to the nous allons maintenant passer new section, that is a brief submission shall be made regarding whether the civil parties are entitled to put questions to the accused regarding the accused character. The co-prosecutors now are given the opportunity to make their observations regarding this subject, and you have 10 minutes to do so. Mr. Hong Kong-soon, do you have anything else to add? Hong Kong-soon, thank you, Mr. President. I would like just to take a brief moment of your time. It's not related to the adversarial hearing regarding the civil party application. One civil party applicant
une de ces parties civiles E2/32 who made a statement on the 9th of July 2009 and this civil party did not fully provide the information to the chamber and on the 10th for the E2/32 I wanted this civil party to show the statement regarding to a guard as the tools lying present, and this civil party was so moved by the countering with the former guard. Garde, ex-garde S21, mais la partie civile a été bouleversée par cette déclaration. I only refer to this person with the code name because it is still confidential. The president interrupts. Could you please tell the court what is exactly your purpose of standing up and raising this matter? Because we are ambivalent. Nous ne comprenons pas très bien. To whether what kind of submission you would prefer. À quoi vous faites, but please be brief votre observation. Je vous invite à la brièveté. Summarize your point so that your point can be well communicated to the audience. Bien and if you cannot do that, then the small problem becomes bigger. Et s'il y a un malentendu ou un Mr. problème, Gumbun, thank you, Mr. President. I will rephrasing my remark. And since I have already been notified that this is the last moment for raising any matter in relation to the civil party matters, I have a civil party who is my client. And during this moment, he vis-à-vis de mon client would like to submit a new application to be filed in case file, in the case file, especially in relation to the matter of S21. The reason behind this is that this document was not presented on the 9th of July 19. Correction, 2009, regarding the suffering he experienced during the time he was detained, because he was acquainted to another guard who was also at S21. So my request is that the civil party is allowed to submit additional fact in relation to the mistreatment he received by the guard at S21. So he would like to preserve his dignity, and that if the chamber allows, it would be very grateful for him. Si la chambre fait droit à notre demande, cela nous vous serions très reconnaissants. The President, Mr. Hong Kim-soon, Maître Hong Kim-soon, I think probably
My capacity to understand you is very low now because I seem to understand nothing from what you have said, and I believe that my international colleague would share the same problem because we just don't understand what you are talking about. Please tell everything you want to say. I don't know what exactly would it be. So, what kind of fact are you introducing here? Is it a new fact? If it is new, it cannot be introduced now because the chamber is now hearing the facts that have already been alleged and laid out in the indictment. So further facts are not related to this matter before the chamber. So according to our criminal procedural code of Cambodia and the internal rules, which are very harmonized, I believe that we are not dealing with the new facts now at this moment. D'entendre des faits à ce stade des débats. So it would be best if you can now please rephrase your nous vous invitons à reformuler votre intervention et nous vous invitons à la concision. Mr. President, I may now proceed to clarify the position. My client is a female civil party. Mon client est une partie civile de sexe féminin. Le président interrompt. Oui, party, bien sûr, but please la partie use civile. I know that it is very confidential, but nous please vous invitons use à utiliser le pseudonyme de cette personne. Le Mr. Hong Kong-soon, thank you, Mr. President. I'm talking to the civil party E2/32. Je parle ici de la partie civile E2. And I'm not saying the full name of this witness who actually was the former staff of S21, and it is not really a new fact, un ancien membre but du personnel the problem is that the civil party failed to tell the court that she was tortured and raped. À la chambre qu'elle a été torturée et so violée. This is the donc la partie civile en soi n'est pas un fait nouveau, mais c'est quelque chose que nous souhaiterions, c'est un élément sur lequel nous souhaiterions attirer l'attention de la Chambre, sur le fait que la personne n'a pas, dans sa déposition devant la Chambre, inclus dans son récit, ces faits-là, le 9 juillet 2009, elle n'a pas dit qu'à part le fait d'avoir été torturée, elle a été violée. Is another witness who will le président, be vous avez dit supporting vous avez parlé d'un autre témoin qui appuierait la déclaration de E232 s'agissant des faits. So, then, if there is another witness, donc, then we si have to really deal with the witness témoin, on top of the civil party de ce, that you mentioned and whether de la this application civile dont is vous avez admissible fait mention, or nous not. Allons devoir voir ce qu'il en est Mr. Hong vis-à-vis thank de la recevabilité de la déclaration du témoin. Maître Hong Kim-soon, c'est la raison pour laquelle je présente ces faits devant la Chambre. Je souhaiterais obtenir votre permission que la Chambre, tout au moins, considère ground that she was raped. Le fait que la et prenne en compte le fait que E232 a été victime d'un viol. The president, le président, Lavergne, monsieur le juge Lavergne, je vous en prie. Je vais essayer de clarifier un petit peu. Je peux comprendre que l'origine de la difficulté dont on est saisi aujourd'hui, c'est d'établir la recevabilité de la caution partie civile de votre client. If your client's civil party application is admissible, il s'agit encore de quelque chose complètement différent. Puisque je comprends à un moment que vous sollicitiez éventuellement que l'on rappelle peut-être un témoin pour qu'il établisse que la cliente a été éventuellement détenue à S21, ou est-ce qu'il s'agit de voir établir des faits dont on a, que l'on n'a pas encore évoqué du tout? Et qui ne ressortent ni de l'ordonnance de renvoi ni des débats jusqu'à présent. Don't come from that. Do not stem neither from the hearings nor from the closing order.
Mr. Hong Kim-soon, thank you, Mr. President. I would like to add further that this fact is related to and this request is made in relation to the request made by lawyer Silk Studzinski. The request has already been made, although I don't remember the ER number of the request, and I just would like to make it clear that it is the last moment that we have to address the matter of the civil party matter. Nous avons à notre disposition pour traiter des questions relatives aux parties civiles. My client said that the guard at S21 raped her, but she was feeling embarrassed or shy to actually tell the court whether she was raped at the moment when she was given the opportunity to testify before the court. So I'm asking whether the chamber would consider calling that witness to give testimony before the chamber or not. C'est la raison pour laquelle nous voulions vous communiquer ces informations. The President, it is now an appropriate time to take the adjournment, so we'll take the adjournment for 20 minutes qui aura une durée de and 20 we resume at 11 a.m. Et nous reprendrons les débats à 11 h. La greffière, veuillez vous lever.